Bonjour Valence, j'espère que ça va bien. On va aller voir c'est qui ton prochain amour. Oh, ça veut pas dire que c'est dans 2 semaines. Ça veut pas dire que c'est dans 2 ans. On va aller voir c'est qui. Si ça résonne pas, si c'est pas du tout ça que vous vivez, signe ascendant, signe lunaire, Vénus en pierre du ciel, regardez aussi mes titres que je tente, évocateur. J'ai une grande bibliothèque, un grand répertoire de vidéos qui parlent de tout et d'amour toujours. Et moi, c'est intemporel, comment je dis, quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut entendre. Fait que, je n'ai pas d'aller voir des vidéos plus anciennes si vous ne comprenez pas comment je parle. Si vous n'aimez pas comment je tire les cartes, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. De me laisser des messages, ça va juste vous faire que vous allez vous faire bloquer. Puis qu'à un moment donné, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais faire un collage. Je sais pas. Il va arriver de quoi. Je vais faire de l'or avec. Hey. On va aller voir. C'est quoi votre vibe à vous? Ouh! Quand c'est la carte qui, soit que c'est le dos ou le dessus, là. Transcendez. Ah, vous êtes en train de transcender. Ouais. 2023, pas le choix. Avec toute la chenoute qui arrive, puis toutes les transformations personnelles. C'est complètement fou qu'est-ce qui arrive. Oui, une force. Ouh, une force ancestrale. Transforme. Oh! What? Oh! C'est fou! Hey, transcender, retrouver sa force, transformation. C'est là que vous êtes en ce moment. Vous êtes en train de trouver une force dans la transformation. Vous êtes en train de trouver aussi une force dans l'ancestral, les ancêtres, ligne de la main, ligne racine dans la terre. Vous êtes vraiment en train de vous. Il y a aussi un ressourcement. C'est vraiment une force. Oh! Fuck, man, c'est vraiment une force. T'sais, en transcender puis transformer, transcender, ça veut dire que c'est comme dans l'énergie, transformer, je pense, ça transforme votre univers. Votre environnement, c'est la même chose. Très cute, parce que qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'on retrouve une force qu'on croyait peut-être perdue, mais qui avait toujours été là. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qui est le fun, c'est pas de reconstruire quelque chose qu'on connaît pas, c'est juste d'aller retoucher, d'aller reconnecter avec quelque chose qu'on sait. Qu'on avait perdu un peu. C'est cute. Là, on va aller voir. Là, comment je fais ce tirage-là? C'est vraiment, on va aller se focusser sur l'autre personne. Là, je viens de vous dire, vous êtes qui? Allô? Puis, dans les extensions, on fait vraiment. On va vraiment espionner. Manière gentille, là, pas hashtag MeToo spirituel, là. Finch? Il mange des rideaux. Finch? Non. Bibi? Non. Non. C'est pas pour les dents. Hein? Donc, c'est qui? C'est qui votre prochain amour? OK. Chut, OK. Et le page d'épée, le soleil, fucking hot. Ça peut être aussi un lion, mais sinon, regarde. C'est quelqu'un peut-être que le monde a un certain regard sur et le 7 de coupe. L'impression que c'est quelqu'un qui se parle petit. Page de pentacle. C'est quelqu'un qui a un problème d'estime de soi. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, elle, eux. Tout le monde est bienvenu ici. Hein? Pas de commentaires là-dessus. Moi, tout le monde est bienvenu. Je parle d'énergie, je parle pas de genre. Peut-être aussi qu'il y a 2 enfants, là. Peut-être que c'est comme ça que ça ressent. Mais si c'est ça, là, si c'est quelqu'un qui a 2 enfants, c'est quelqu'un qui communique très bien avec les enfants parce que c'est quelqu'un qui a. Tu sais, c'est quelqu'un qui est grand comme ça dans un corps d'adulte. C'est quelqu'un qui. C'est des bonnes cartes, là, mais comment je le sens ici avec le 7 de coupe? Je dirais que c'est quelqu'un qui sait jamais vraiment comment parler, comment amener dans sa vie. Mon Dieu! Pourtant, là, le soleil.
C'est quelqu'un qui est vraiment estimé. Mais c'est quelqu'un qui se sent vraiment le contraire de ça. Le 7 de coupe. 7 de coupe, ça peut être de la confusion. Ça peut être de l'illusion de faire comme hey, j'ai 7 coupes devant moi, laquelle que je choisis. Ouh! Quand dans le fond, la coupe que tu choisis, c'est la coupe que tu as. Tu peux pas faire un cocktail avec, tu peux pas faire un mélange. Des fois, c'est ça l'illusion de faire comme ah, ok, fait que si je prends cette coupe-là, je vais pouvoir prendre un petit peu de celle-là, puis un petit peu de celle-là, puis faire le cocktail parfait. Non. Puis ça, c'est pas qui que c'est tout le temps, c'est qui que c'est en ce moment. Fait qu'on se calme, là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui. Pourtant, tout le monde le. Tu sais, le soleil, c'est la meilleure carte du tarot, là. Puis on dit vraiment que c'est quelqu'un qui se voit comme un petit page. Un petit page, puis un petit page qui est comme. Qui a de la misère à s'exprimer, qui est un peu comme. Hésitant. Quelqu'un qui a de la misère à faire des pas, puis c'est toute page. C'est des petites choses, c'est tout petit tout le temps. Quand dans le fond, tout le monde le met un petit peu sur un piédestal. Le soleil, c'est ça, c'est Lion. Tu sais, c'est Lion, là. Mais sinon, c'est de mettre c'est de le voir d'une manière super rayonnante. Quand dans le fond, la personne se voit comme quelqu'un de tout petit. Très confus. En ce moment-là, on ne va pas dire que ça va être de même tout le temps. Quand on va l'espionner dans l'extension, clairement, on va aller. Des corticuses, là. J'ai pas question, c'est chaud avec les rideaux. C'est comme des décorateurs. Ils adorent les rideaux, les tissus. En tout cas. Là, on va aller voir. C'est quoi votre histoire? Là, 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 là! C'est quoi votre histoire? Oh, lisse. Le troisième page, un troisième page vis-à-vis les pages. Page de bâton. Ça peut être une leçon aussi, là. Mais je dis pas. Ouf. Le monde. Reine de pentacle. Bon, fait que votre histoire, c'est une leçon. je pense que quand la personne qui se sent comme un petit page, qui se sent tout petite à l'intérieur, à place d'agir d'une manière plus froide, d'une manière plus. Je ne veux pas dire sensée, parce que c'est pas insensé votre histoire, là, mais c'est comme si il va falloir s'évader un peu de sa zone de confort pour cette personne-là pour être avec vous. Pour vraiment. Le monde, là. Vraiment fermer le cycle. De faire comme, ok, non, finalement, de me garder petit ou petite, ça marche pas. Tu sais, ça marche pas là-dedans. Puis vous, je vous sens comme vraiment reine de pentacle. Reine de pentacle, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui sait très bien qui elle et eux sont et. C'est quelqu'un qui. Fiable. Quelqu'un, on peut se fier à son mot. Quelqu'un qui, quand t'arrives chez eux, il y a toujours de la bonne bouffe. Il y a toujours une bonne bouteille de vin, il y a toujours du thé, il y a toujours quelque chose. C'est vraiment. Oh. Je vais prendre une note, là. On va aller voir c'est quoi l'élément déclencheur, là. Déclencheur, mon Dieu, j'étais québécoise pour de vrai pendant 2 secondes. OK. Là, on va aller voir. Chris, on va le faire tout de suite, l'élément déclencheur. Je dis, Roue de fortune. Oh, elle va là. Je sais, j'ai entendu. 6 de coupe. Homme sœur. Jugement. Sais, je dis pas que la personne. Tu sais, jugement, là, ça veut dire qu'il y a des. Je pense que vous connaissez déjà, là. C'est jugement. C'est un retour. Puis avec la roue de fortune, peut-être que vous êtes perdu de vue pendant un certain temps. Peut-être que vous avez arrêté de mettre de l'énergie dans quelqu'un qui se considère comme rien. Quand je dis qu'il aime les rideaux, qui se considère comme un petit page, puis vous, reine de pentacle. Qu'est-ce que la fucking reine de pentacle ferait avec un page?
Fait que je pense vraiment qu'il y a un retour, il y a une énergie qui revient vers vous, ou c'est plus propice à. Puis tu sais, avec le 6 de coupe, c'est vraiment le lien âme-sœur. Tu sais, c'est un lien qui est impossible à renier, c'est quelque chose qui est impossible à pas voir. C'est juste que. T'sais, c'est juste de voir c'est quand que vous allez être tanné d'attendre après un page. Attendre que le page devienne un roi ou au moins un chevalier, calice. C'est vraiment. L'énergie est vraiment très. Tu sais, c'est comme si. En ce moment, vous n'êtes pas égaux. C'est pas égal. Tu sais, c'est comme si vous savez que. Christ, transcension. Transcension. Oh, on invente des mots. Transcender force. Puis la force, ça peut être encore lion. Puis tu vois, c'est le soleil. En tout cas, avec la transformation, vous êtes vraiment en train de vivre un événement transformatif, énergétique, quand même pas pire. Puis l'autre reste petit. Puis c'est comme, c'est, qu'est-ce qui est plate, c'est que le lien va toujours être là. C'est, je sais pas si c'est de l'attente ou du l'espoir. C'est comme si c'est toujours là. Puis qu'est-ce qui va déclencher ça? C'est vraiment un retour. Mais c'est. T'sais, pis c'est plus qu'un retour, c'est que l'autre personne, faut qu'elle monte sur un trône. Vous êtes une reine, vous êtes déjà sur un trône, vous l'avez déjà, on va pas se rabaisser pour être. Voyons, calice. On va aller voir, c'est quoi votre relation après. Ok. Reine de coupe, quand même. La mort. Transformation. Vous avez vécu une transformation. Il faut qu'il y ait une transformation dans cette énergie-là. Parce que sinon, 8 de coupe, ouais, se sortir et l'as de pentacle. Se sortir de sa caverne. Ça peut être la carte du divorce aussi, de la séparation. Se sortir de pour aller vers quelque chose de plus vrai. L'as de pentacle. C'est mon ventre. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est de voir le potentiel. C'est comme si la personne ne voit même pas son propre potentiel. Calisse. Ok, j'arrête, je vais vous. Reine de coupe. Reine de coupe avec la mort qui est de la transformation. Il va falloir qu'il y ait une transformation dans le cœur. Puis quand vous allez être ensemble, clairement, là, c'est l'as de pentacle, puis c'est la reine de coupe. C'est vrai, là. C'est amener du vrai dans des sentiments. C'est juste que qu'est-ce qui sépare ça? C'est la mort. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour arriver à la mort? C'est quand même le 8 de coupe, qui est de se sortir de sa caverne, de se ressortir, puis d'avoir encore de la transformation, parce qu'il y a des petits papillons partout. OK, on va aller voir ça dans l'extension. On va aller vraiment, on va décortiquer ça, parce que là, c'est du focaillage. Les personnes qui veulent regarder l'extension, c'est soit marqué « Se joindre ». Si vous êtes sur l'application YouTube, c'est marqué « Se joindre » au Club d'Anushka. Sinon, si vous êtes sur les internets, c'est. Il n'y a pas le piton. Fait qu'il faut aller dans le descriptif, c'est marqué lien pour extension, puis vous cliquez, vous faites un copy-paste, puis ça vous amène au club. Sinon, je vous souhaite bonne chance, puis on se voit pour le mois d'août. On est rendu au mois d'août. What the fuck? OK, bye!